Bon, premièrement, revendication juste. Et femme l'exprimer, dit malheureux. Parce que, comme le professeur Zéphiso dit, il rentre dans le contexte qu'on est capable d'assimiler à un mouvement qui lui-même a un caractère politique. Or, par essence, institution policière là, qui a malchance tomber dans l'espace haïtien pour contre lui. Parce que moi, Haïti c'est un rare pays côté infrastructure sécuritaire d'intervention. Il faut nous préciser lui, parce que nous avons tendance, depuis qu'on a parlé de sécurité en Haïti, je dis à nous et la police, alors que nous avons pile infrastructure gouvernementale qui fait pour approcher la question liée à la sécurité nationale, qui lui-même protéger institution d'intervention. Tout le bagage vient tomber sous la police, il n'est pas protégé par un gendarmerie, il n'est pas protégé par l'armée, qui a des missions périphériques. Donc tout le bagage vient tomber sous l'eau. Et nous, en Haïti, je dis à nous, crise multidimensionnelle. Et ses conséquences, une belle parole qui a parlé, qui est très profond, même si assez souvent, ni mon cap dit l'eau, ni mon qui a une responsabilité pour modifier l'eau, approfondit question ça. Et le système, c'est manifestation, une structuration globale de pays qui vient en boutique, qui n'est pas capable de marcher encore. Donc, il y a un pile symptôme qui a frappé à gauche, à droite, et s'ouvre au capable de chita à l'entrée des symptômes, alors que la question est beaucoup plus profonde. Et il est clair que c'est même gens, si on a parlé de structure policière, là, nous n'avons pas de l'hôpital, de accès à soins de santé sous prête dans l'hôpital, et on ne va mourir parce que c'est pas bon. Donc c'est une société qui est totalement en décomposition et c'est tout corps qui est capable de faire des réclamations et l'autre il fait après au juste. Donc moi quoi, je vous dis à si n'a pas parlé de l'État qu'il a, en fait, de responsable qu'il a, le volume bagaille qui est dans la tête, le volume préoccupation que vous avez, je suis dit trop pour vous. Voir pour chercher parce que c'est de bas évident soit le gars entre dans le commissariat pour regarder pour être dans quelles conditions policiers à vivre. Mais faut être dans un état d'inconscience totale pour vivre un pays où nous avons une force de sécurité pour la vivre dans conditions ça. Ouais, vous ne flagons l'un d'entre vous expérience pour démontrer une programmation sur la sécurité routière. Et montrer mal faire inspection dans barak ou elle fait sortir dans route 9 là pour entrer là-dedans. Et barak qui n'a qu'à faire pour faire et titanien pour faire route sodo. Mais son bar grave, je me demande comment on est capable de permettre des êtres humains, je ne vais pas aider les policiers, des êtres humains tout simplement capables de rentrer là et puis pour faire partie d'un corpus d'État. Pire, pour c'est une structure pour la pour assurer la sécurité du pays. Mais là, on de côté où il y a. Même si vous avez besoin de titre de l'eau pour bien, si on est dans zone pour votre galon de l'eau, pour vous n'avez pas de l'eau pour vous, vous n'avez pas de l'eau pour vous bien. Bien, même bagarre là, sous route, dans cité solaire là, dans Carrefour Orange. Oui. Son petit conteneur. Non, c'est. Plancher, les déplancher. C'est un bail inimaginable. C'est un bail inimaginable. Vous voulez m'entrer là, donnez-moi des qui vient de faire camper là. Ou avez l'impression que mon cap dit, je ne vais jamais passer dans un. Le président passer là, Je ne pas quoi. Bon, c'est parce que le policier a dit, président, pas nous dit, monsieur, qui vient de faire camper là? Oui, c'est un bail impossible. Un petit conteneur. Oui, c'est un bail impossible. Couler. Donc, les revendications sont justes. Et comme nous avons un état de pourrissement global pays, dans chaque secteur, on doit avoir le même bail. Maintenant, sur le plan strictement légal, alors c'est là ma bougon pile bail aménagement pour nous faire. La Constitution reconnaît aux travailleurs le droit pour nous regrouper en syndicat. Maintenant, qui adaptation qui vient pour faire dans les lois pour baisser au cap effectif. M. Zéphiso a posé problème. Non, à l'étranger, les policiers, d'ailleurs, la police est un corps civil. C'est donc c'est pas une entité militaire. Et moun qui sont régime militaire, ils ont de l'autre et l'autre cadre légal qui régule fonctionnement que le bail que vous pas gagné droit faire, gagné liberté que vous pas gagné. Mais la police
d'une manière générale à l'étranger, yo gen droit yo mete yo fè syndicat yo normalement. Son droit reconnu, mais yo gen des limites, yo gen des limites et gen des bagages yo ki l'autre syndicat k'ap fè que même yo pas k'ap fè. Quelle limite par exemple, gen des par exemple yo pa gen droit par exemple pour faire grève. Yo pa gen droit pour faire grève, yo pa k'ap di y a font grève et c'est qu'en coup même dans l'hôpital. Même dans l'hôpital, ce sont les services d'urgence de l'État, ils n'ont pas qu'à camper. C'est ça, faut même dans l'hôpital, il y a une raison pour arriver à une extrémité qui est la grève, ils sont obligés de mettre un dispositif et de service sous place quand même, et c'est eux-mêmes qui peuvent organiser. Parce que nature métier qui lie directement à la vie, ne pas permettre d'entrer dans une paralysie totale. Vous me prenez elle, qui point de vue pour ça? Okay. Mm-hmm. Bon, moi je pense que il y a un peu de bail qui dit sous ça, je vais bien répéter. Concernant manifestation que nous avons fait, marche quand on le veut. Moi je pense que premièrement, je qualifie et responsable d'État d'irresponsable. Parce que un corps de police qui est responsable, seul corps qui est responsable sécurité pays, ou pas qu'à quitter le rivet. Jusqu'à ce que de sortir dans la rue la manifester. C'est-à-dire c'est des bails qui ont été réglés depuis longtemps entre eux. Parce qu'on n'a pas besoin qu'ils aient la sorte dans la rue pour la manifester, etc., pour la exprimer et frustration, etc., etc. Deuxième bagaille que m'a dit que crise qui dans le pays d'Haïti a son crise multidimensionnelle et une crise totale. Par conséquent, la police comme corps n'est pas capable pas subir en quelque sorte conséquence crise. N'est pas capable crise là pas capable éviter ou bien lui-même pas capable éviter crise là. Inévitablement crise là touche toute institution dans le pays. Mais toutefois, vu la fragilité et l'importance de rôle la police là en un pays par rapport à cette affaire de garantir la sécurité et des vies et des biens, c'est des bails qu'on peut jouer à ça. Donc il y a des dispositions spéciales que les dirigeants de ce pays, le président de la République, le premier ministre, m'a dit, tout exécutif là et l'autre pouvoir judiciaire, t'es capable pour éviter que ou fragiliser davantage et encore pareil. Ou fait que qu'on mettait en jeu en quelque sorte la vie de la population, tu vois, et les biens de la population, les responsables montrer en quelque sorte une forme de d'indifférence par rapport à cri policier. Et me dit indifférence pour qui ça? Si on fait une première marche, au fond, deuxième, c'est que et autorité, c'est-à-dire et supérieur, pas attendez. Yo pas attendez, mais si vous attendez, vous pas prenez au sérieux. C'est grave. C'est grave, parce que s'ils font deuxième, c'est que pas une satisfaction. Donc, si pas une satisfaction, c'est que les supérieurs hiérarchiques de ce corps, ils pas prenez au sérieux. C'est ce qui est grave. Mais il faut ne pas oublier, c'est des mouns, son corps qui est armé. Donc, puisque son corps qui est armé, donc, ou pas, j'aime qu'on ait qui basculement qu'a gagné. Donc, c'est moi-même trouvé que c'est ce qu'on dit, qu'on peut dire, c'est des autorités qui jouent avec le feu. Ou jouer avec le feu, ou qu'a gagné 10, 12 000 nègres qui armés, sont co-armés, même si on t'a dit gagné, privilège, etc., etc. Mais majorité a, dans ça, on t'a cabré dans un état de frustration totale. Maintenant, qu'à comprendre, vu la situation dégringolante de l'économie de ce pays, pouvoir en place à Kadil pas gagner assez d'argent pour satisfaire tout le monde que vous faites. Bien sûr, si vous avez fait fonds bas, essayez, vous avez commencé par freiner gaspillage qu'il a fait au niveau des ministères, au niveau de certaines branches de l'autorité de l'État, pour bailler satisfaction un peu à la police. Même si pas cabaye tout. Même sur le plan infrastructurel. Nous sommes parlé là, il me s'est dit qu'identifier un commissariat. Mais il y a
un paquet de commissariats comme ça, le regarder, c'est désastreux pour prendre des policiers. Moi, je suis arrivé dans la cité solaire, dans le carrefour qui est entré dans Zouangia. Même chaise n'est pas gagné pour le chita. Vous n'avez pas gagné. Nous, nos petits conteneurs à couler. Il est là pour venir, il est là pour venir, pour venir dans le coin, pour la plupart mourir. Donc, nous pensons que c'est déshonorant. Ou pas qu'à déshonorer un corps pareil qui gagne autant de responsabilités. En ce sens, moi-même pensais que nous avons des autorités et de tutelle pour prendre ça très au sérieux. Très au sérieux parce que l'un une situation ou quitter que frustration vient exacerbée ou par contre qui sale caméné. Parce que un policier qui a touché entre 15 et 20 000 gouttes là, je dis, n'est pas madame, il est petit, il est caille pour le payer, il est pour le manger, vous étiez mon école. Donc, d'ailleurs, mais qu'on ait fait un calcul pour dire comment on prend le fond, n'importe qui, on ne peut pas parler seulement de policier, pour y 20 000 gouttes, et puis pour dire pour prendre, pour y a toute responsabilité, ça a sous-dolé. Donc, moi, je pense que il faut que vous preniez ça très au sérieux pour retrouver, pour ne pas retrouver non, un scandale beaucoup plus grave que ça. Là. Et déjà, on a parlé de corruption. Mais c'est de salaire de corruption, ça y est. Il y a à peu près entre 15 et 20 000 gouttes avec toute charge ça a sous doul et responsabilité qu'il y a en tant que fonction qu'il y a. Donc, où ouvre une porte pour lui pour le faire corruption. Mm-hmm. Je dis à là, on est capable d'être sous policier. Il dit, mon cher, quand j'ai 20 000 gouttes qu'on touche, bon, ma bon année salaire. Je bon année salaire cash. Alors, qui ça, policier, ça n'a pas fait. Donc, il est très compliqué, il est très rare pour t'avoir un nec qui fait bac. Très rare. Donc, à partir de ce moment, c'est ce qu'on appelle des salaires de corruption. Parce que, ou gen doit pas qu'à la situation que nous là avec taux d'inflation, etc. et fluctuation monnaie. Donc, c'est mettre des structures qui permettent que paramètres ça ne pas toucher les policiers. Bal des avantages qui fait que paramètres ça ne pas toucher. Par exemple, autrefois, bon, je ne disais ça pour faire, mais autrefois, c'est regarder des grandes questions de magasin de l'État. Donc, il y a des grandes structures qui dérivent les magasins de l'État. Eh bien, moun ki an dan secteur ça, li te acheté dans magasin ça des produits qui importaient sans taxe. Donc par conséquent, li vin beaucoup moins cher. Donc ça te bal des avantages qui fait le coût de la vie te beaucoup moins pour lui. Moi mais c'est des mécanismes pareils qu'il faut imaginer qui pourrait faire que ou cab amoindri, c'est-à-dire alléger en quelque sorte coût et de fonctionnement mounio, le coût de la vie, ou qu'a fait que le coût de la vie a baissé, et retirer des pressions sous dos policiers et sous dos d'autres fonctionnaires de l'État, que c'est une bagaille qui a fait un instrument qui a permis de combattre la corruption. Très bien. Sans transition, Gabriel Zéphir, pour une deuxième fois consécutive, le président Jovenel Moïse, qui n'a pas fait déplacement à l'Vertière au Cap-Haïtien pour commémorer la bataille Vertière, justement, j'ai une tradition toujours vile. Il était préféré à aller s'arrêter pour tout prince encore une fois. Hôtel, il a organisé une cérémonie dans le Palais National avec Mupana pour lui souveler et il était capable de rendre hommage à héros de l'indépendance. Il y a un peu de monde qui est dans la décision ça. Eh bien, crainte que le président gagne pour sécurité, sans penser au même. Alors, il est clair que le président n'est pas allé pour des raisons de sécurité. Pas allé pour des raisons de sécurité. Il est très dur pour admettre que un président qui t'a dû réputer gagne contrôle, qui t'a dû réputer gagne responsabilité pour assurer le fonctionnement et des institutions, qui t'a dû réputer gain responsabilité pour le garantir à chaque citoyen que capable de circuler dans un pays dans la paix et en sécurité et que lui-même l'obliger à exprimer
inquiétude, à exprimer une position de peur parce que les pas estimé que il y a suffisamment de sécurité pour l'avancer. Président, nous connaît dans quelle situation que nous y est. Activité présidente, qu'est-ce que résumé à déplacer à la Cali, à l'Empalais national? Pas quoi que président qui allait dans quelle ville de province, au même titre que chaque autre citoyen, moi-même, je ne suis pas capable d'aller dans la ville de province non plus. Président, vient nous trouver le temps pour un simple citoyen cantonné, il est seulement gagné un rôle symbolique que l'a joué avec le titre de président. Et c'est comme ça, Mkawel, pendant que l'on l'emmène de gros outils, pendant que l'on l'emmène de gros moyens, notamment les forces répressives du pays, à savoir la police nationale, et aujourd'hui, je parlais de l'armée d'Haïti. Ça, le président a choisi faire, il a choisi continuer à jouer sur les symboles. Mais aussi que le gain agent étranger dans tout et tout. Bon, ça c'est le minimum. Parce que le président a avoué lui-même, effectivement, que le gain monde qui vient faire à 16 mètres, sans par exemple dire combien de temps à 16 mètres l'endurer, et qui étendu travail à 16 mètres là, est-ce que une phase pratique d'intervention directe sur le terrain de ces évaluateurs, que je ne pas bien comprendre où là. Moi, colonel l'a pris. Mais c'est seulement comme ça que je me suis essayé. Et l'autre bagaille, tout a toute raison de croire que il y a un pile bandit et qui réclamait appartenu à support, à structure de support à président de la République à tout. Et qui fait que, dans le sens ça, président, il y a un pile et outils l'emmène. Et même si nous tristes, de nous associer notre cher président à relation avec des gangs armés, alors que nous connaissons qui ça, ça veut dire dans la société. Hein. Mais nous étions perplexes parce que jusque-là, par exemple, qu'elle démentit du côté du pouvoir pour ta dissocier de ça, mon envie fait comprendre que le président a doué, en fait, ta gagné et des gangs armés qui à son service également. Donc pour retourner à la question de 18 novembre, hein, essentiellement, et c'est que le président était un symbole. Et il y a un symbole que, pendant qu'il peut, mais il voulait un symbole de force. Parce que lui fait un déploiement avec l'armée d'Haïti qui lui-même était organisé en parade version abrégée et qu'il a montré que lui avait force avec lui, il a intervenu, l'ICI et le commandant-chef. Hein, de force militaire. Mais est-ce que là, par contre, paradoxe? À savoir? Il peut bon. Vous montrer que des forces. Mais c'est là où on a venu, parce que c'est un jeu de c'est un jeu, nous t'es cadou, la voie signal, la montrer que le fort, la montrer que le gouvernement à l'amène, la montrer que le kakembe, mais cependant, au fond, le président peut. Donc, la parade, nous tout le monde voit qui sa parade, ça a assemblé. Et tout ça pour nous dire que nous avons une situation qui est extrêmement compliquée. Et le président n'a pas impression à la population, ni assurance à la population que lui-même est confortable. Et je dis à nous qu'on est dans qui ça nous est. Nous avons une situation de crise, nous avons une situation d'insécurité globale, nous avons une situation côté que même le symbole qui est important pour nous bafouer, parce que nous pas arrivé à assumer les responsabilités d'État, particulièrement au niveau de ceux-là qui sont en position de pouvoir, ne pas assumer les responsabilités d'État pour pacifier en fait, le pays et permettre que nous sortions dans la marasme, dans la crise que nous y avons, pendant que nous sommes fait quasiment près de 2 mois fermés en Dakaï, nous pas arrivé à sortir. Mais parallèlement, je crois que le président a eu l'opportunité de faire un discours également. Et dans tout discours que le président fait, si vous notez, c'est le discours le moins critiqué. C'est le discours le moins critiqué. Apparemment, par contre, c'est un phénomène de fatigue, on bouquet étant des inepties, on bouquet étant des débats avec Baël, mais on dirait que. Mais c'est un appel au dialogue inclusif, je pas critiquer. Appel à l'unité. Monsieur Maintenu, thème de dialogue, de appel à l'unité, qui. La phase côté que nous y a semble jouer en faveur. Ça qu'on disait. Ça fait que le joue en faveur, c'est parce que je dis à la toute
ça qui constituait des éléments qui créaient une situation de peur dans tout le monde, à savoir environnement de sécurité qui délétère, dû à manque de responsabilité de l'État, dû certainement à la force déployée par les militants qui défendent Douayo, ou vient retrouver en tant que citoyen l'amitant de ça. Donc, qui vient créer une psychose de peur, la caille tout le monde. Donc, tout le monde attend une sortie, tout le monde a besoin de break, ou besoin que situation ça qu'on finalement les camper, parce que support psychologique côté bail, support psychologique que toute force d'opposition était bénéficiaire, les commencer un petit gens affaibli, mon yo vin aux abois et mandé est-ce que ka continuer kembe qui ça cap sortir finalement. Et le fait que la constatation c'est que les rapports de force établis pas permettre que nous ouais que président pralé président après conscience que pays a détérioré, que l'économie a crasé, que tout pays a que monde pas fonctionné, tout pays a bloqué et que t'a arrivé un point côté que le prend décision pour y aller, en pile on a mouru, en pile massacre a fait. Mais le président n'a pas bougé. Le président n'a pas de sensibilité par rapport à la question. Ça. Donc, et le choix de l'opposition qui sont choix pour y aller avec une bataille plutôt nature type démocratique sans âme, parce que son bataille pacifique qu'a fait là, en début de toute menace qu'on t'a tout à l'heure, et les risques de bascule avec des groupes armés effectivement qui sont arrivés à n'importe quel moment pour tomber dans le chambardement de guerre civile, ce n'est pas le cas. Le choix a été un choix beaucoup plus d'une bataille type démocratique sans âme, littéralement. Donc, en face de la situation, ça, à côté que nous avons ça, nous voyons que le président, si ce n'est pas une force physique qui peut faire le déplacer, il n'est pas déplacé par son propre chef. Et la force physique, nous voyons à côté que les bralés, là, parce que par un rapport de force armée, il y a la police qui a une capacité d'utilisation d'armes, et en face, au gain mondial seulement, petit barricade, petit manifestation, à la rigueur, au cas deux, trois roches qui tirent dans la manifestation, mais ce n'est pas vraiment des coups d'armes qui ont tiré sous la police. Ça qui t'a dit, à votre avis, au train ouvre les choses, vous n'avez pas quitté Panago? Apparemment, parce que nous arrivons à cette évidence. Et c'est là, le se continue avec discours-dialogue, et Livin clair que la phase qu'on y est là, parce que le grand rapport de force défini, ou pas gagner l'autre bail pour faire, il faut que vous jouez une formule de sortie. La formule de sortie ne peut être qu'une formule négociée. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous chita. Si le président continue, pays a continué détériorer la même, n'a continué la situation d'insécurité, l'a continué lui-même, beaucoup de parle pas qu'à faire ou n'importe autre que la Cali avec Paris National. Et maintenant, la population a continué à couper, a continué dans la misère, on a continué à mourir. Mais par contre, s'il comprend que les responsabilités, les mêmes, pour que la sortie de crise, la proposition de sortie de crise, en termes de, et au regard, à la lumière, beaucoup plus de revendications population, les grands gens pour répondre, pour que la sécurité retourne dans le pays, pour que les mêmes, tout, ils retrouvent la liberté. Et certainement, et je crois que toute solution négociée doit tenir compte de deux modes qu'il a sous table, à savoir le départ du président de la République. Tiens, pour une réaction, je me regarde rapidement. Premièrement, je dis, comment a dit le président de la République, là, il ne va pas mettre tête. Le président de la République, là, M. Jovenel Moïse, son aigle au mythe, là, pour faire un travail. Oui, je suis critiqué le système, donc. Ce système-là prend limité là comme président pour garantir vie système-là et bailler ensemble de monde des avantages. Je ne vais pas mettre tête. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons une analyse succincte, très rapide. Pas gagné aucun secteur que le président ça a compté sur lui. L'on est arrivé au président de la République que l'Église n'est pas d'accord chita avant. La société civile pas d'accord pour Chitaro. Pour me comprendre bien, les partis politiques ne doivent pas décider Chitaro. Mais lorsque l'Église ou la société civile ou tout secteur en un pays a campé, il faut aller au pape Chitaro.
à partir de ce moment où nous désastre total. Le président de la République, M. Jovenel Moïse, est encore là parce que monsieur sont irresponsables. Ils sont irresponsables parce que ce ne sont pas irresponsables ou pas qu'un pays pour diriger. Pays à fond non même. Côté que vous faites ce deal, et c'est vrai, monsieur pas contrôlé, on pousse carré en le pays. On pousse carré, n'est pas contrôlé en le pays. Monsieur pas qu'à front une porte. Quand on n'est pas qu'à faire une porte. 17 octobre, n'est pas foutu de descendre là dans le pont rouge. Pour la déposer un jet de fleurs côté autant assassiné de Saline. Donc, et pour les prétentions d'être président. Non, ou a pu jouer un rôle de président. Ou des privilèges pour les présidents. Mon pas gagné rien comme président. Un, d'accord, dit, la constitution bon en mission. Il dit, premièrement, il faut garantir la sécurité. Pays. Est-ce que le président de la République a garanti la sécurité pays? Il faut apporter le bonheur à peuple que vous avez dirigé. Peuple ça a une misère et la plus atroce qu'on est là. Je vous dis à la pays a bloqué quand on n'a pas aucun échange qui fait entre les villes de province et la capitale en termes de commerce de produits. Parce que généralement, comment le pays a fonctionné? Dans les provinces, on produit des bagailles, que c'est maïs, que c'est pitimi, que c'est du riz, que c'est banane, etc. Ils viennent dans des zones de consommation qui est principalement la zone métropolitaine. Et avec l'argent, ça, ils achètent des produits manufacturés, ils descendent la caillou. Qui fait qu'on a un échange commercial et même une circulation d'argent dans le pays. Aujourd'hui, impossible pour faire ça. On est qui met ton camion là, camion marchandise, ou pour arriver là, Matissan, ils prennent le monde. Qui garantit qu'on gagne. Donc, c'est un président fantôme que m'y a là. Maintenant, ce président, il est là parce que gagne l'international qui décidait pour le rester. Mais ce n'est pas Jovenel Moïse qui décide de rester pour le rester. Il n'y a pas aucune force pour le rester. Il n'y a pas aucune force pour le rester, il n'y a pas aucun appui. Parce que dans un pays, côté que toute société a levé campé contre tout, voilà que le pays aujourd'hui, malgré pas gain et manifestation, eh bien tout le monde encore peut sortir. Ou est-ce qu'on bon rat 4 mètres tête au dehors, ou sorti au garder, et puis les coups rentrent dans tout. Tu vois, donc, ce qui signifie, on est en présence d'un monsieur qui est irresponsable, qui est un. M'takadi, c'est un peu trop fort. Et moi, je dis c'est de l'irresponsabilité totale, parce que le président, s'il était même inconscient, parce que s'il était le minimum de conscience, c'est pour constater que c'est l'échec total, et puis il tirer la révérence. Même pas le vertir, non? Heureusement pas d'elle. Oui, pas bon, tout le pas le même cadet. Là, le pas même cadet, c'est le 17 octobre, il n'y a pas cadet, c'est là, dans le pont rouge. Donc, voie pour ta levée, ou pas trouver des manifestations qui disent n'a pas de ceci, donc, effectivement, nègla, les confiner toute activité, c'est dans mi-pana, ils fait un petit espace stérile, et puis monsieur allé dans 15 minutes, il dépose un petit jet, il a couru, il tourne, il entre dans le palais. Donc, où est son rat, cap veille, un chat, il tourne, il court, et puis hop, il entre dans le trou. Donc, ce n'est plus un président de la République, d'ailleurs, c'est un son honte. Pour être président de la République, ou pas même qu'à sortir, voir pour ta réfléchi en termes de problèmes qu'a traversé la solution, quelle solution apporter. On regarde bien, on va être très simple. Le président fait deux interventions dans la radio pendant la crise là. Un président qui est en face de pays bloqué pendant environ 4 semaines, ou fait intervention dans la radio, pas une seule proposition de solution. Pas une seule. Au moins, il faut dire, chaque question posée est une question simple. Président, qui est l'école appauvrie dans le pays? Président, bébé, drone en bouche, pas fouti, bail. On approche de solution pour faire ouvrir l'école. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Maintenant, on parle de aller négocier. Aller négocier avec qui? Parce que le président de la République a montré ses mesures. L'idée parole là, je vous dis, en moins de 24 heures, parole là a changé. Parce que pour discuter, pour dialoguer avec quelqu'un, il faut qu'on ait un minimum de conscience, de confiance. Il faut qu'on ait un minimum de confiance. Parce que c'est un monsieur qui ne respecte pas ses paroles. Qui ne respecte pas ses paroles, c'est-à-dire on est qui président de la République, ou d'une parole, et pour prendre ses noms, mettre d'amour. Alors qu'un président de la République, la parole.
parole de président, c'est une parole sacrée. Lors d'un bagage, ils prennent au sérieux. D'ailleurs, il y a des investissements qu'on a fait à partir de la parole d'un président. Un président qui dit, moi, je prends le bail pays à telle orientation économique, à partir de ce moment, ou même en tant qu'investisseur, ou qu'on prend des dispositions pour investir dans cette zone-là, parce que le président fait une déclaration. Donc, nous pas gain ça. Le président n'a pas gain qualité ça, pas gain capacité ça, donc pas gain possibilité de dialogue avec. Il est réduit. Position chaos sur décision président prend pour le patal vexière, préféré Port-au-Prince pour le commémorer 216e anniversaire. Il y a un peu de monde qui dit que il y aura une décision ça, il y aura de sagesse, il y aura un élan de sagesse. Tout comme il y a l'autre monde qui dit que c'est peur, président peur pour sécurité, qui ne fait pas faire déplacement. Qui point de vue pour tout ça? Bon, on ne pas quoi tellement grand pile bah, vous m'ajoutez, non, par rapport à ça, mes Zéphir, ça Ousmane et ce dit là. Et tout simplement, nous arrivons à une extrême gravité. Et que nous, là, ce n'est pas ça le problème, là, non. C'est qui vient pour nous sortir. C'est qui vient pour nous sortir. Là. Et puis, qui ça capte nous après. Parce que, et notre tête, que le président Jovenel Moïse sautait, qu'elle pompait, il n'y a pas 20 possibilités que aller. Problème m'a posé tête, mais là, me dit moi, Léa, m'a dit tête, mais tout, qui boit. Parce que, situation qui, côté le rivé là, moi-même, je suis convaincu que le président Jovenel Moïse n'a aucune alternative à quitter le pouvoir. Il n'a pas eu une chance sur mille pour trouver une solution encore. Parce que la politique, il faut toujours mettre une étiquette, c'est bagaille qui sale et sous lit. Mais tout problème politique, c'est seul à tout échec politique, toujours venu à partir de deux bagailles. Moralité qui met en doute, confiance au bafoué. Qui eux-mêmes, ce sont des vertus. Leur parler de parole d'honneur sont vertus, heureusement, ce dit là. Président l'a demandé dialogue. Même moi, quoi, même président, il faut engager 15 dialogues déjà. Et puis personne pas foutu. Bon, l'elfin engage dialogue là, il monte, il prend un tracteur, passe sous dialogue là, Brazil. Après que moun qui habitue sa vie d'intermédiaire, il y a un problème de société, peut aller rentrer dans ton bagage pour pas aller sale figure. Président parce que pas de interlocuteur encore. Voilà. Et bon, politique fait en Haïti, pas de gauche, pas de droite. Ok. Moi-même, je dis, m'a rappelé ça. C'était le 19 octobre 2018. Je voyais une note by président sur WhatsApp. Et m'a quoi il avait facile, il avait facile, il 19 octobre 2018, nous dit le président, moi pas pour échec au président pays. Parce que l'on président pays échoue, il y a conséquences en vent. Mais route, moi, on prend là, moi, exactement sur route du président Aristide Debrun vers l'année 2002. Cherchons Jean-Claude sur route ça tout de suite. C'est pas fou de fou. Je dis à moi-même d'accord pour le Jovenel Moïse aller, parce que je n'ai pas gagné l'affaire là, je n'ai pas gagné le café. L'autre est que la patrie pour nous? Non, la patrie pour nous, mais nous devons après. Et je me pose cette question, et je suis être humain en face de tout. Et je me parle avec le métier comme militaire, le mon adversaire en face de moi, je n'ai pas le droit d'ignorer, je n'ai pas le droit information ou bagaille qui concerne les noms pas cap bene blanc bataille moins bien même vous êtes une question surtout aller qui bo aller qui bo ou non président ou dit pour l'aller. Ok, donc je vous dis à président Jovenel Moïse qui a dit bon monsieur moi situation qu'on est arrivé là peuple haïtien moi vraiment me constitue obstacle donc me remettre pouvoir du balmont qui bo belé. Ou bien, ou bien, peut-être,
dans sortie au journée à mettre le président national son pas hautement technique oui pour permettre président Jovenel Moïse sortir côté l'entrée là son homme qui rentre dans marécage chaque bouge le bouge descend du deuxième pi bas oui maintenant vous t'as cap font combinaison et un pays t'a passé même prendre bah comme ça. Je dis, c'est le monde entier qui a une rébellion liée à ce qui le système ici. Regardez ce qui passe en Algérie, et au Chili, et en Bolivie. C'est le monde entier qui, côté masse peuple, a une revendication de l'île pas normal pour continuer à vivre, j'aime bien venir là. En France aussi, avec les villes qui sont oui. Avec les villes oui. C'est le, n'a pas le problème système ici là. C'est bon, son étincelle qui passe en Haïti et puis embraser le monde entier. Sauf que je ne suis pas d'accord avec une heure et but. L'offre connaît que son président difficile pour le sortir, puisque faut rappeler que l'opposition dit que le préparer un départ ordonné pour lui. Non, ce n'est pas ça. Le départ doit être ordonné. Et moi qui dit que ce n'est pas fou. C'est parce que le dimanche, je dis. Qui paye qui tranquillement cap accepter pour Jovenel Moïse ou vêtement le président Jovenel Moïse pour aller mettre la gaille. Bon, dans la Corée du Nord. Automatiquement, dans la zone, ça va être comme tout le monde bien avec Kim Jong-un. Non, mais c'est vrai, son problématique difficile, oui. Là, par exemple, je dis à Napalan, puis il nous dit bah, il n'est pas ordonné. Problème, bah, ça me dépose, il le 29 novembre 2003, après match qui était fait sous chaîne masse là, on était estimé que c'était dernier jour président Aristide gagné une possibilité pour le négocier avec l'opposition pour dire une solution interne. Moi dit attention, le président Aristide va partir, mais son départ doit être ordonné. Pour qui ça? Parce que on est départ en désordre toujours vient aux conséquences néfastes pour le pays à lui-même. Par contre, moi-même, moi, quoi, si on n'a pas avancé l'émission tout à l'heure, moi, quand commencé à conseiller de tir clair, si commence à dessiner, et nous, qui avons beaucoup tellement bien entré là, nous n'avons pas venir sur ça. Voilà, madame, monsieur, c'est l'acte. Mercredi, qui était 20 novembre 2019, nous avons gagné un ambassadeur Kelly Craft, qui est le représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui était fait un coup de pied en Haïti. Et côté, elle était rencontrée dans un premier temps, président Jovenel Moïse, et dans un deuxième temps, en pilote leader politique, économique, de manière pour être capable, d'après l'ambassade américaine à Port-au-Prince, souligner le soutien des États-Unis à un avenir plus pacifique, sécuritaire, prospère, etc. Qui point de vue pour ce visite-là? Bon, moi, je crois que l'établissement américain de représentation diplomatique en Haïti. Ils ont informé au jour le jour de situation. Et c'est un risque énorme pour eux d'avoir des informations tronquées by supérieur là-bas. Et généralement, le système américain, il y a un check and balance à tous les niveaux là-dedans. Et même j'ai eu une structure officielle qui a voulu information bah yo, il y a des structures non officielles qui a voulu de lecture bah yo. Il y a toujours gagné deux, même trois plans non, mais yo, pour une situation. Et présence madame nan, qui d'ailleurs suivant ça qui dit les gens pour la faire président Trump directement, veut dire pour moi en tant qu'analyste au plus haut niveau. Les États-Unis d'accord que il y a un problème sérieux en Haïti. Et les déplacer au monde viennent font évaluation et peut-être même faire des suggestions silencieuses parce que depuis le madame la finale il y a une série de agitation et beaucoup de présidents il y a un président réuni avec président Sénat, président Chambre des députés. On va parler de jeudi à vendredi. Oui. Et 18 novembre, monsieur Sayo, patna cérémonie avec. Et président Chambre Sénat est là. Président Chambre député est là. Président Cour cassation est là. C'est mon lettre que monsieur t'a invité. Il t'a invité.
même pas quoi dans le reportage, nous t'avons suivi, nous t'étendons, nous pas quoi nous t'avons signalé présence. Si je le vois, nous ne pas là. Donc, le président du Sénat, le président de la Chambre basse, le président de la Cour de cassation, pas là. Le pas là, 18 novembre. C'est vrai que vous t'avez invité, vous m'avez pas venu. C'est un message extrêmement grave. Qui s'est passé au lendemain du débat, madame, que Alba sont venus travailler avec le président. Donc, on va avec madame, nom du président, pour moi-même, il dit, mon cher, nous pas abonder la guillon, dégagez-vous, faites court qu'on est pour qu'on mette au gouvernement sur place. Si ce n'est pas ça, nous ne pouvons pas continuer dans le micmac ça, pour un temps long avec vous. D'après moi, je m'a pas analysé. Parce que je ne sais pas comment on a venu présenter le président des États-Unis d'Amérique en crise là, juste parce que le temps vivant pour nous en Haïti. Donc, moi, je crois que l'acteur fait pour tenir compte que des donne en plus en un dossier. Donc, vous mettez quoi ça? Oui. Des donne en plus en un dossier. Ça fait un. Mais pas pour le président Jovenel Moïse seulement. Pas pour le président Jovenel Moïse seulement. C'est pour qui est-ce encore? Parce que il parlait avec le secteur opposition. Et très certainement, qui fait valoir point de vue, nous entendons qui ça a dit, que vous avez dit. Mais on connaît et généralement, je me suppose, type de rencontre diplomatique, ça a ou dit vous qu'on est parti dans le bar, ou pas bien qu'on finit comme tout. Et grand pile monde qui gagne en pile crainte, mais même au contraire, et je sorti un texte sur ça, moi gagne en pile conviction que nous ne pouvons pas rentrer en janvier 2020 avec crise là. J'en ai là. Bon bagaille qui pourrait le passer. Obligé qu'on bagaille qui passe. Obligé qu'on bagaille qui passe. Et soit regarde le mouvement acteur principal, le mouvement président, ou le président qu'on lui voit de maison, il faut le remettre. C'est évident. C'est évident. Par exemple, le 19 novembre au matin, il était qu'à inviter le président, chambre députée, à président, sénat, président, coup de cassation, pour moi, monsieur, ça qui passe. Dans la bataille, ça là. Et puis pour 18 novembre, nous pas venir de m'poto, nous sommes dans le sac païcha qui sont bon. Même si c'est une cause fraternelle, pour si vous avez un reproche, pour vous avez une solution à proposer, pour qu'il fait ça après sortir madame. Non. Maintenant, ça ne change pas la position, la réalité du président lui-même. Parce que solution qui pourrait obliger de passer par un dialogue. Et pas bon monde opposition capable prendre chance à rentrer dans la discussion pour y aller prendre un mot sur pouvoir dans même président Jovenel Moïse. Mais vous n'avez pas dit ça, colonel. Il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord que mon opposition t'a chute avec madame Kraft, non? Non, mais c'est capable dire le président va faire pour des chutes avec tout. Et nous, en ce cas, nous avons capable de et ou t'a gagné, quelle que soit structure internationale là, qui t'a venu là, on t'a chita parlé avec. Et je dis, oui, monsieur Alchita a parlé avec madame, nous parle de chita par la président. Il n'a pas dit pas la président. Son seul parole. Il n'a pas dit pas la président. Je dis oui, au contraire. Il a pour yon par la président pour déterminer qui je l'a sorti dans le pouvoir pour ne pas sortir en désordre. Parce que je ne suis pas capable là, et pour me permettre de s'activer ça, je vais arriver au président. Le président réussit à prendre une décision, il ne veut pas qu'il ne faut aller. La prière, les gens pour nous connaître qui j'en ai organisé ça. Pour nous organiser, il faut nous parler avec. Il faut que nous connaissions. Mais comment on a fait connaître qu'il prend une décision pour l'aller? Mais c'est une même décision. Nous, mais l'île, nous ne pouvons pas aller. Non, l'île, nous pouvons monter pour le gouvernement avec. Nous disons que plein de monde dans le pays a besoin de ministre, qui a besoin de premier ministre. Bon, d'ailleurs, beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer. Est-ce que nous imaginons qui bagaille que nous vivons là? Président, on sait de monde qui dit ministre. Bon, même temps de la brûlée, mon ami Lapin, premier ministre. Est-ce que vous imaginez
Moun qui yon dit à premier ministre en attente, c'est Fritz William Michel, oui. La peine. Parce que monsieur pas démissionné. Mais non, monsieur pas démissionné. Monsieur, c'est un premier ministre qui font premier round, qui fait premier mi-temps normalement. C'est dans le deuxième mi-temps le coquet. Si monsieur est premier mi-temps dans la chambre députée, c'est que la paix pas premier ministre encore. D'autant que la paix est démissionné. Non, bon complexité. Attends une minute. La paix, t'es un ministre démissionné. Je viens choisir comme premier ministre. Il n'a pas jamais réussi à passer, il n'a pas jamais réussi à monter derrière même. Ni dans le premier mi-temps, ni dans le deuxième mi-temps. Il écrit une lettre de démission par le président. Président tellement accepté la démission que nommé un autre monde. Donc la paix ne va être encore. De son démission consommée. Si la paix agit aujourd'hui, l'ICAB agit comme ministre de la communication et de la culture qu'il tenait dans le gouvernement senior qui pour qu'on jamais évacuer. Mais la démission de la paix a été consacrée par le président de la République par un acte de pouvoir quand elle choisit Fritz William Michel qui allait devant le Parlement qui passait premier mi-temps, c'est investi à monsieur. Est-ce que cela voudrait dire, à votre avis, colonel, que c'est Fritz William Michel qui t'a loué pour le ministre pour place la paix en place? C'est lui-même qui est premier ministre en attendant. Tout acte que la paix t'a signé là comme premier ministre, ce sont des faux. Parce qu'il a démissionné et sa démission a été acceptée par le président David qui nommait un autre. Donc tout acte président d'abri le monsieur premier ministre là, c'est bouffonnerie. C'est parole monde et tel chaud qui pas qu'à reconnaître et quand il ne faut pas traverser la frontière de la bêtise. Mais qui t'aime de mon bagaille, ou qualifier ben là des bouffonneries, dit beaucoup plus que ça. Parce que la paix, je vous dis à là, une fois que les choses se règlent, gagner, faut monsieur t'a présenté devant la justice. Oui, évident. Devant la justice, pour usurpation de fonction. Tu vois, parce que. Moi, je vais la signer là. À qui titre ou pas le titre? Aucun titre. L'homme se démissionner, il n'est pas automatiquement vini, premier ministre et démissionnaire. Non, il n'est pas premier ministre. Non. Monsieur était non fonction de premier ministre à I. Oui. Monsieur Vini, il nomme comme premier ministre. Monsieur, pas même arrivé devant le Parlement, il démissionné. Ou démissionné comme premier ministre nommé. Oui. Mais ça n'a pas fait de automatiquement encore un ministre AI. Donc, on ne peut rien du tout. Mais là, est-ce que c'est pas Parlement qui a le tranché? Mais c'est la nuit. Alors, c'est ça va prouver. Crise l'arrivée de dimensions. Quand il y a des débats qui ont passé pire à la tête de l'État. Bon, on prend un cas. Puis le monde du président a signé une ampliation par le nommé comme ministre. C'est de bas d'une extrême gravité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons traversé une crise qui a des dimensions extraordinairement graves. Pour moi, tout le monde, c'est le passé présent, je ne sais pas comment on dit le fin parler. Mais ces conséquences de bagaille sont sur le futur immédiat. C'est eux-mêmes qui prennent l'occupation de l'Union. Parce que de toute façon, le président Jovenel Moïse, et bon, je dis bon conseil, mais le président fait mourir. Parce que hier, je rencontre un bon ami, l'imam, mon cher, il me le président Gemoun. Bon, même le président a parlé dans une interview, discours, dans la télévision, il a parlé avec le peuple, là, tout bas, il a fait bouillir, il a défendu. Bon, je dis, ouais, président, prends un jour pour quoi? Pour mettre le peuple, ça, il a fait bouillir pour lui à dur. Je ouais, ça, son curiosité, je dernier point sur visite Mme Kélikoflan. Bon, moi-même, moi, quoi, les États-Unis, pas qu'à préchance, engagés, et publiquement, comme ça, au plus haut niveau, en donc crise pour bailler ton jouet. Pour moi-même, moi, j'ai conviction, qui va baser sur aucun fait, non,
que nous pas rentrer en 2020 avec président Jovenel Moïse là, avec situation en Jali. Gabriel Zéphir, est-ce que c'est point de vue pour tout ou bien est-ce que l'avis contraire? En fait, pas gain espace pour gain opinion contradictoire. L'on fasse une série de évidences. Évidence que nous avons là aujourd'hui, c'est que, un, nous cadre tout à fait chaotique en dehors de toute constitution et de toute légalité. Parce que, seul ça qui est nous là, c'est le petit fil qui parlait du mandat président de la République, qui a le seul fil en dedans, bobine. Seule branche en dans bobine démocratie. Le mandat qui lui-même je dis à la questionnable du fait que le président n'a pas réussi à faire ça, il était mettre pour le fait. Je dis à un chaos, crise multidimensionnelle, en dehors de la constitution, élection pas faite pour renouveler personnel politique, particulièrement le leadership au niveau du pouvoir législatif, on va tomber dans le vide, mais dans quel contexte de absence totale de gouvernement, premier ministre, de facto, avec toute cadre qu'on a décrit là, la usurpation, etc. Un président qui n'a pas fonctionné, qui a absolument réagi au coup par coup. La visite de madame, il inscrit la logique de États-Unis comme voisin, il garde dans qui ça a nouillé, même si le président Trump lui-même, son équipe, René Rebelle, Merveille, il est toujours dit quitter au fond, mais là, pour quitter au goût, mais pour être là-bas. Parce que, ouais, tellement de dégâts, tellement de désastres qui menacent non seulement la région, Haïti, mais aussi la région, nous décidons pour faire une intervention pour nous parler avec les antagonistes, les protagonistes plutôt, qui aujourd'hui allons situer une situation antagonique. Tout le monde, suite à intervention ou visite madame, essayez de regarder qui va jouer pour l'appui. Le gouvernement content pile, il dit que nous venons supporter nous. Parce que vous m'avez dit pour que je chite avec lui pour dialogue. L'opposition estimait que c'était l'opportunité pour que les mêmes les gagnent chancelier pour le bail sa propre version à madame sous qui j'ai une situation et il n'est pas en position pour retourner parler avec le président. Il n'y a pas qu'à dialoguer avec le président pour les raisons que M. Bradley sont mentionné, pour les raisons que Imbert et Bussot dit. Donc une situation est tout à fait chaotique. Mais madame est très clairement d'où lié à cœur les intérêts américains et alliés, des intérêts que nous-mêmes n'avons pas toujours très bien définis, Benjamin Guérin, pour relever de ce qui constitue les intérêts américains d'un pays, ça, à proprement parler. Parce que nous, on a des investissements, et des investissements qui n'ont pas suffisant pour nous traduire. Exactement. Donc c'est ça qui est. C'est ça qui est fondamental. Et il était très clair qu'on dit que madame, dans l'articulation, qu'elle n'est pas venue supporter le monde, mais elle est venue en faveur. Du peuple haïtien dans le sens côté que la brigade qui s'est fait parce que son famille qui a boumé, les pas à quitter que famille détruit des timons pour protéger, à savoir la population, etc. Donc, bon bagaille qui vous fait. Moi, quoi que, mais c'est dommage que c'est l'OTAN, c'est chaque le à États-Unis décidé d'intervenir. Tout à l'heure, je vais te aller pour te montrer les rapports de force et que les forces armées par rapport à force démocratique qui ont manifesté et avec deux braillots, avec 10 barricades et qui te permettent qu'on pas arriver avec force, le président ça a été. Faux président lui-même, dans sa conscience, t'a décidé d'aller. Mais nous sommes tout, d'après intervention aux Pradel, que c'est pas un monde qui est conscient de rien. Ils sont les mêmes qui nager, qui vivent dans l'inconscience totale. Donc, il n'est pas privé à une prise de conscience. On se dit à l'heure à tout, aux Pradel, on comprend très bien que le président pas mettre tête. Pas mettre tête, ça veut dire que la procédure a des instructions et des ordres. Et c'est ça, le président Tapton. Chaque le bon fond action, faut jouer un ordre. Le gouvernement, et en fait, l'ambassadeur américain parlait, on se prend force, ils font semblant comme si l'envie font bagaille. On a songé récemment, ils ont fait démonstration pour que le premier ministre de facto a été sorti avec CSPN et le ministre Travaux Publics pour dire que je peux faire l'école ouverte, je ne peux pas disposition pour casser barricade. C'est vrai que c'était une action. Bah, dis pas fait sans résultat. Parce que le débat est quand même un minimum de résultats. Le fait que tu aies réussi, fait des travaux, essayer, casser, nettoyer la rue, etc., qui était au semblant. Mais qui n'est pas qu'aider, parce que tu n'es pas entré dans le cadre de sérieux, côté qu'on est engagé, pour ta résoudre ces problèmes de manière sérieuse. Deuxièmement, je ne suis pas allé tout à l'heure, monsieur, madame Finale, et puis réunion tout de suite,
des élus, entre guillemets, parce que c'était le langage que madame a utilisé pour te adresser à les gens qui ont l'espace pouvoir aujourd'hui à la. Pour assumer les responsabilités. Et c'est là ça a parlé que ont envie de faire une vie qu'on bagaille. Je crois que tout ça, les malheureux. Les malheureux dans le sens côté que les gens qui ont adoué les protecteurs, ou du moins les gens qui ont adoué et qui a dicté ou qui a baillé Jovenel l'ordre, autre que le gouvernement américain, parce que je ne crois que forcément, il y a pas Michel Kellogg, je vais suivre pour qui ça a envie de dire pour M. lui-même qui a agi. Donc, nous regardons côté que Jean lui-même président qu'on a parlé de, même qu'il est les protecteurs du système, même les gardiens du système. Et je dis à là, est-ce que lui-même n'est pas retrouvé dans cette posture de gardien du système pour la faire autant de résistance pour que. Lors on constate côté que 1, ou en dehors de constitution, 2, ou pas capable de résultat, 3, pas bon avenir pour vous en termes de et action qu'on peut faire par rapport aux promesses qu'on a fait à une population côté changer condition, ou définitivement échoué, donc il faut d'accord pour qu'on prenne une décision sans pas obliger aucune force externe, personne n'est obligé de venir nous pour prendre un bagage. Une bagaille qui est marquant, c'est vrai que à chaque fois que le président l'a invité à poser des questions concrètes sur l'action qu'on peut prendre, on voit que le tunnel toujours nous a fait le contrat. Contrat électricité. Je pense que c'est une bonne chose que le président a attaqué ça. Question de contrat qui t'a fait dans les mauvaises conditions. On a vu sur ça. Juste un point, parce que pour moi, pour ça, extrêmement important. Pourquoi, et c'est une question, peut-être, monsieur, nous avons une réponse là. Pourquoi le président a été de bonne foi, entêté, et fait correct aussi, pour t'embaucher avocat qui pourra défendre l'État dans le contexte son trasaïo, et ne pas reconnu embaucher l'État, embaucher avocat qui peut défendre l'État dans le dossier Petro-Caribé. Donc tout ça, c'est des signaux et c'est des questions assez importantes qui apportent la crédibilité président, confiance que la population n'a pas fait, question de moralité que nous avons parlé, et parce que les démarches sont des démarches intéressées, c'est comme si c'était des bagailles qui a fait sous des pressions externes autres que la volonté du président d'adresser les problèmes. Auquel cas, nous avons tapé dans sous piste pour nous donner le bagage. Donc, est-ce que la présence de madame va apporter un élément à la crise en termes de solution? Moi-même, je pense que pour de vrai, et démobilisation, momentum, mobilisation dans la rue, elle casse, et le casse pour de vrai. Et non seulement la présence de madame prend le constituer un élément pour permettre que nous réfléchissions, les acteurs réfléchissent, et après réfléchissent actuellement. Sous qui j'en peux y adresser la question de sortie pour sortir à fait, mais qu'on une certaine forme de démobilisation. Démobilisation qui joigne un certain, je dirais, appui au niveau de l'opinion publique, une opinion publique fatiguée, et je dis à quoi que qui attend une solution. Et je dis à hein, de bonne guerre, c'est une opportunité pour acteurs qui comprennent ça, des deux côtés. L'opposition, vraiment, est en position de force. Et reste l'État, dit, et le président de la République qui doit arriver à cette conscience que situation pourrie, nous prenons un graphe avec lui, et un minimum de décence d'amener pour comprendre qu'il y a une décision de retrait à faire. Mais Gabriel Zéphir, avant que nous tenions sur mon pradel, est-ce que l'attitude président qui invitait le président du Sénat de la République, le président de la Chambre basse, le président de la Cour de cassation, la réunion, etc., est-ce que c'est pas parce que vous avez garanti tout que avec jusqu'au bout? Même pas pour ça. Pas rien garanti avec jusqu'au bout parce que il y a la réalité. La réalité, c'est le rapport de force. Le rapport de force qui dit que le président acculé, mais il est tout seulement gain un papier qui t'a dit que c'est pas une certaine légitimité. En termes de rapport de force, opposition a une capacité pour remobiliser à n'importe quel moment, mais pas connaissant le rabat encore 2 mois, alors que je ne souhaite pas, mais cependant, les carreaux fait à tout moment. Donc ça veut dire que le président a toujours réaculé encore. Nous pas dans quelle garantie que Gabo. Tu me gardes ça où je me prends le pensée de visite Madame Krafla. Avant de commencer, je m'a dit bon bah on parle que Gabriel dit là que je suis pas d'accord avec elle. Elle dit mobilisation cassée pour de bon. Non, il va casser pour de bon. Il pas cassé pour de bon par le seul fait que les causes qui ont engendré cette mobilisation sont encore là. C'est ça que nous, que capacité pour faire le là, la capacité est là, mais le momentum est cassé. Provisoirement, oui.
mais pas pour de bon. Pas pour de bon, ah, parce que pour casser mobilisation pour de bon, il faut répondre à la revendication. Certains, pas pour de bon, mais le moment casser, le momentum est cassé. Oui, mais écoute, ça s'est passé aussi. Rappelons bien, bah, là a commencé le 6-7 juillet de l'année dernière. Après 6-7 juillet, il vint fred jusque 17 octobre. Tu vois? Donc, mobilisation pas foutue. Kembe, net, c'est normal qu'on gon bagay en dedans de si. Tout à fait. C'est tout à fait normal, mais pas cassé pour de bon. Et c'est ça pour le président de la République. Là, faut pas comprendre. Si éclaircit nous là, et comprendre c'est le beau temps. C'est pas très important, d'accord avec vous. C'est pas le beau temps. Parce que les causes qui ont produit la mobilisation sont encore belles et bien vivantes. Pour la visite de Mme Kraft, moi-même pas quoi. Avec sa. Qui en apparence, m'a dit pour ça. Qui ça qui en apparence tout d'abord? En apparence comme si on vient de nous, Fonchita, et avec Joval, mon dialogue, écoute. Son bail qui dit au moins 10 fois déjà. Lydie avec un mission d'OEA qui est venu ici déjà. Lydie par ambassadeur américain plusieurs fois, que Fonchita, Fon aller non dialogue, nous te dit, il n'y aura pas de dialogue avec le président de la République. Pour donc, former un gouvernement. Pour former un gouvernement. Donc, pour ne pas qu'on déplace son mission et sortir aux États-Unis sous une question que tout le monde connaît répondre déjà. Il a dit 10 fois déjà, oui. Donc, sous ta dîme que c'est vini ou vini pour venir former, quel est le rôle de l'ambassadeur américain en Haïti? Quel est le rôle? Parce que le rôle, c'est instruire en quelque sorte l'administration côté de l'IA, l'administration et ton plan. Sur la situation et l'évolution de la situation en Haïti. Parce que Gomba qui dit, et surtout avec le président de la République, que nous ne connaissons pas, que l'idée qui diffère. Gomba est pour nous comprendre. Non, mais nous t'allons connaître, puisque il a rencontré nous tous dans la position. Non, ce n'est pas la même chose. Parole, pour le dire, ce n'est pas une parole avec monsieur. Ce n'est pas une parole. Parce que, et madame connaît et au deal, que. Personne secteur pas voulait chita président de la République là. C'est connu. Personne secteur, même secteur religieux, même secteur religieux a pas voulait chita avec nous. Donc, à partir de ce moment où son président qui perdit plus honnête en la société, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour comprendre que et actuellement aux États-Unis, à partir d'une année électorale. Électoral, côté que le président de la République aux États-Unis, il y a des difficultés. Florida sont un gros morceau dans l'élection américaine, non, c'est-à-dire son gros poids dans l'élection. Maintenant, une grosse communauté haïtienne là dedans. Donc, et président Trump a un intérêt que lui montrer haïtien, lui résoudre problème et crise en Haïti. Est-ce que nous avons une image ça au côté en pile haïtien manifesté? Ah oui, parce que vous manifestez, vous faites Pelosi à rencontrer avec des gens dans la communauté haïtienne. Donc, gagner une bataille là entre démocrates et républicains sur la Floride. Donc, vous avez intérêt que vous jouez une solution là avant même que l'élection américaine arrive en novembre prochain. Donc, par conséquent, il faut que vous nous sortiez. Comment vous sortiez ahi? La sortie, mon mécanisme là-dedans, il faut que mon gouvernement légalement installé, qu'il a avec un premier ministre, qui prend le fait que sorti président, une fois qu'il sorti, d'après la constitution amendée, le premier ministre devient président. Parce que s'il sorti qu'on y a, c'est pral tout un gabot, etc., etc. Donc, mon petit sorti ordonné. Donc, la nécessité d'avoir un gouvernement qu'on y a là, qui légal, c'est pour cette raison. Là, on parle de comment on est quoi, il a encore à Pierre. William Michel. C'est pas monsieur. C'est pas monsieur. Monsieur parle de crédibilité assez. Il faut un nouveau gouvernement crédible, qui ait prestige, qui a dit, bon, une fois que le gouvernement ça a monté, l'y installé, donc à partir de ce moment, le président peut partir.
Parce que immédiatement, son remplaçant est là, sans qu'on pas besoin aucun mécanisme, ou pas besoin aucun accord, etc. etc. Vous mettez parce que. Oui, mais pour le c'est qui va le monter au gouvernement ça? C'est pas moi qui a monté. Dans le sens. Non. C'est l'objectif de cette visite. C'est-à-dire, moi, c'est qu'on s'annule l'île. De manière. C'est qu'on s'annule l'île. Parce que c'est intéresser l'opposition à rentrer dans Santa Cabrile une posture de cohabitation. Il prend le gouvernement, il monte au premier ministre, il fait le gouvernement, même si le président n'a pas nommé aucun ministre. Et une fois que ça fait, la sortie ordonnée peut commencer. Donc, là, même si le président sorti, eh bien, son remplaçant est automatique, il est inscrit dans Santa Carrelé et Constitution 1987. Mais est-ce que l'opposition parle d'accord pour entrer dans sa famille? Tout le problème est là. Mener coulève là à l'école, là, c'est pas rien, mais c'est faire le chita. Président dit ça. Ouais, parce c'est-à-dire, parce que le problème est là. Président dit ça dans le discours là, oui. Coulève ça bien là. Faire le chita, mener dans l'école là, pas rien. C'est vrai, c'est fait le chita, oui. C'est ça le problème. Parce que le problème n'a vient plus complexe. Je vais expliquer la complexité du problème. La complexité de ce problème, ce n'est pas le seul fait que l'imandé a une très grande réflexion et d'expérience politique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un obstacle qui s'appelle et Santa Cabrile, posture de discrédit que le président joue, par une personne qui a pris. Troisième élément, c'est la position de la population revendicatrice qu'il a, tu vois, qui pas quoi n'a aucun move à rendre avec le président de la République. Donc, pour t'arriver à faire ça, il faut avoir la capacité en tant que l'opposition de façon générale, pour entrer maintenant dans un dialogue avec la population pour expliquer cette démarche politique. Bon, c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe, je vous dis à là, sur le plan politique. Donc, c'est pas une gymnastique facile. Surtout que c'est pas toute position qui vous trouvez sur la même longueur d'onde. Là, ce n'est pas un problème. Là où tu as qu'à résoudre. Parce que c'est plus facile pour discuter avec des groupes de l'opposition que pour discuter avec toute une population qui a une position. Et je m'abdou pour qui ça. Même au sein, côté que mien, moi-même, dans la fusion, dans le marché contrée, etc. D'abord, vous commencez à dire, nous ne pas personne à discuter pour nous, à négocier pour nous avec l'étranger. Alors qu'il n'y a pas eu de négociation. Ces gens ont gagné Santa Cabrile, premièrement, un pourrissement de la situation. Deuxièmement, une sorte de méfiance totale qui gagne au niveau population. Et li nan une situation et de manque de confiance de ceci, de cela, puisque avec les réseaux sociaux, et bah là, li pollué totalement. Il suffit qu'on ait écrit un message qui allait à l'encontre une mauvaise interprétation volontaire de la situation ou bien d'une démarche de solution, eh bien, il embraser totalement et population et il embraser d'accabrer les crises. C'est dans ça qu'on y est. C'est ça, il y a une complexité extraordinaire là, qu'il faut beaucoup de doigté et beaucoup d'expérience pour arriver là. On met un petit peu d'ordre dans le débat parce que l'émission est finie. Himmler et Bu, à partir de visite ça, qui sont conclus? Il n'y a pas quelqu'un qui attend de nous là. En direct, qui sont conclus? Bon, moi j'ai écrit et publié. Moi j'ai des convictions. Dans le niveau. Côté crise l'arrivée là, dans le moment où il y a, les États-Unis pas capable de permettre de libre implication directe pour jouer. Premier bagaille. D'autant que, j'ai fait plusieurs interventions sur d'autres stations radio pour montrer côté, il y a une sorte d'implication implicite, apparemment, ou à Libayo, et
non cette dimension, non cette manque et mélange entre les entre certains intérêts des États-Unis et les bagages graves qui viennent dans la crise. Notez bien que tout le monde qui a parlé ces derniers temps-là, nous n'avons pas jamais entendu parler de l'argent pétro-caribéen. Nous n'avons pas jamais entendu parler de l'argent pétro-caribéen. Or, c'est par là que le scandale est arrivé. Nous pas parlé de ça. Qui c'est que fait ça à votre avis? Mais toi, quand l'argent est aux États-Unis, les États-Unis gagnent l'argent, tout net qui gagne l'argent, côté pour y aller. Le système international n'a pas qu'à permettre nos mains comme ça, ou traverser barrières sans que vous parlez. Les États-Unis pas courir pas aller vite. Hein? Toi, quand un citoyen volé comme ça, c'est citoyen américain, oui. C'est trois cas citoyens volés comme citoyenne tout. Parce que moi, puis le citoyen, n'est pas citoyen seulement. Dis trois cas, mon Dieu. Trois cas citoyennes et citoyens qui est comme ça, non, mais c'est citoyen américain, oui. Donc, nous, nous restons à qui ça? Ah, mon cher, comme moi, je ne suis pas bon. Moi-même, je suis pile, cassé, feuille, couvrir ça rapide, peut-être pour ne pas arriver. Non, vrai, non, question. Mais beaucoup plus que cela. Parce que moi, quoi que je ne vive là, c'est un moment douloureux. Mais qui charge avec enseignement tout. Et il ne faut pas garder en Haïti seulement. Parce que moi-même, moi, j'ai plus inquiétude sur l'architecture qui vous mettez pour l'après. N'est-ce que pour y payer à non point, réfléchir. Qui sont capables d'aborder dans l'immédiat la question de la sécurité en Haïti. Permettre que les gens capables de circuler, permettre que bien capables de circuler. Son bail est énorme. Et river boucher et sous capompe sous capompe âme. Et pas tomber dans le piège, courir derrière tirer une bandit à gauche à droite pour comprendre si la problème n'en y est. Donc, nous avons des bagailles qui sont extrêmement retaper l'économie. Parce que là, je dis très bien, mon dernier texte, je dis, l'Amérique n'a pas été venue là. Mais il faut qu'ils admettent tout le monde dans un flux massif de dollars frais qui peuvent tomber dans l'économie pour quelqu'un. Maintenant, moi-même, je crois que l'avenir est encore beaucoup plus difficile. Moi-même, je crois que nous allons vers un dénouement. Gabriel Zéphir, il y a plusieurs millions de captants de dollars gagnés 2 mois depuis que le pays est en mode bloc. Mais malgré tout, le président Jovenel Moïse encore accroché au pouvoir. Madame Kraft est venue, il a rencontré le président, il a rencontré en pile représentant, leader, les partis politiques, etc. Qui ça, d'après vous, qui a mijoté là, qui ça a concocté? Et est-ce que nous allons arriver à faire crise une fois pour toutes? Bon, je crois que la situation évolue vers un dénouement, vers une sortie, une fin de crise dans le sens côté que les États-Unis n'est pas seuls sur l'échiquier international. Il y a la France, il y a le Canada, il y a d'autres pays, particulièrement si nous avons des pays qui constituent ce groupe là, pour nous référer à l'Assemblée au niveau national. Côté que nous regardons les parlements de différents pays, la France, le Canada, ils ont interpellé par crise qu'il y a en Haïti au point où ils ont exprimé solidarité à peuple haïtien. Monsieur que le message a allé vers le Premier ministre qui fait les couloirs diplomatiques et qui certainement le Madame Navinezou, que c'est les intérêts américains et alliés, moi je vois ces pays comme des alliés qui ont influence quelconque sur qui gens sont capables de choisir d'adresser cette crise-là parce qu'au-delà de Haïti, il y a d'autres situations, il y a d'autres. Sujet et d'intérêt que vous pouvez obliger de mettre tête ensemble soumis et pas quoi que vous pouvez on laisser tomber parce que les positions sont plutôt claires. Pourquoi nous sommes en Corée? Si vous permettez, mais excuse-moi. Et d'une manière générale, les grandes agences de presse internationale n'ont pas intervenu dans le dossier ça à l'emporte-pièce. Je suis dernièrement, et là, je dis ça, peut-être le président qui a été occupé en pile, il n'y a pas de temps pour le web, comme ça. Très rarement, France 24 font un reportage qui durait plus de 6 minutes. Dans le journal, il passait près de 5 fois en boucle.
Et vous comprenez qu'ils actent au centre d'intervention. Population haïtienne a rentré en rébellion pour question de corruption dont le président de la République là, a un entreprise qui est impliqué là-dedans. Donc c'est clair qu'au niveau international, opinion publique internationale là, qui a un co-impact sur qui gens politiciens comportés, ils n'ont pas en faveur ça là. Et les Américains pas prendre temps pour les aligner et pour que les canaliser effort et énergie vers une résolution de la crise en solidarité au peuple haïtien. Donc la réclamation du peuple est claire. Moi-même sûr que tout à l'heure, dit que j'ai un petit cassé, mon momentum n'a pas cassé. C'est un signe et qui permet que au monde qui travaille un petit peu mieux, ça veut dire que même ces ambassades, il y a un espace probablement que capable de travailler un petit peu mieux pour que nous arrivions à la formule de sortie. Nous sommes prêts à parler de solution éventuelle, mais qui était quand même très difficile par rapport à mécanisme qui a existé pour ta rendre une mettre sous table. Mais tout est possible, parce que tout ceci dit nous que nous allons tomber dans l'autre accord politique. Parce que nous, en dehors de la Constitution, nous pas capables de la Constitution, plus rien ne tient, c'est nos accords politiques pour nous joindre la formule. Donc ça est déjà une félicité. Et les leaders de l'opposition haïtienne qui déjà marquent le premier pas, qui montrent que nous avons capacité pour nous chiter, pour nous accord politique, et puis réfléchir autour de questions. Nous croyons que même énergie ça continue, nous avons un accord politique, nous avons la formule pour que le président sorte et libère le pays et permette que la population reprenne souffle et le pays reprenne. C'est même question, Rosemont Pradel, où nous émission à grande écoute, gagner des manifestations en cascade en Syrie qui fêtent dans le pays pendant près de 12 mois. Qui vient mettre le pays en mode bloc, côté tout le monde a demandé, presque tout le monde dans la population a exigé le départ du président. Finalement, les États-Unis, qui te compte, fait déclaration à travers l'ambassade de Paboïsite, voulant représentant, Mme Kelly Craft, eh bien, qui te vient, qui t'a parlé et avec le président et avec le représentant parti politique Paboïsite. Maintenant, à partir de visite ça, qui sont conclues, qui sont faites, la pour même. Bon. Moi, je me dit tout à l'heure dans l'intervention que je me fais là. Moi, je dis que madame n'a pas venu là pour venir dire l'opposition font chita avec le président pour nous dialoguer. Je ne crois que c'est ça lié. Je crois que quand on parle comme ça du président, moi-même, je crois que nous avons obligation, le jeu force à couper, pour joindre une solution à la crise. Parce que, avec tout le bail que nous avons dit là, gagner un élément que nous n'avons pas considéré. Une explosion sociale qui a pété là n'importe quel moment. Conséquence, on a baillé les États-Unis une vague de bout de people qui pral baillé un paquet de chargé. Donc, il n'y a pas besoin de tomber là. Et surtout, au moment où le président Trump, il n'y a pas besoin de tomber dans le bagage pareil, vu qu'il y a une période électorale. Non seulement qu'il y a une période électorale, mais non une période. Et délicate la calie avec cette affaire de impeachment. Tu vois, de son bas est très grave. Et puis, je suis abjuré en même temps. Tu vois, maintenant, moi-même, l'aime dit tout à l'heure qu'il a cherché solution sortie pour le président de la République. Là, ce n'est pas le seul fait que. Tant que M. Paye Konlet, qu'il démissionne ou pas qu'à retirer le pouvoir, à considérer comme coup d'État. Ouais. Donc, si on considère comme coup d'État, bah, ça a fait des vagues sur le plan international. C'est ça, il y a un élément de complexité dossier. Il faut que c'est monsieur volontairement, même si c'est pression au Bali, mais pour les connaître que il d'accord démissionner. Parce que s'il n'a pas démissionné, il n'est pas arrivé à démissionner, souvent prendre pour retirer, eh bien, c'est un coup d'État. Et donc, pour y appeler, éviter ça, je dis à là. Donc, c'est pour cette raison que je pense que le dossier a évolué. Au cas où, ouais, effectivement, Jean et collègues sont dit là, et dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, ouais, que il y a des vitesses qui prennent là. Parce que songez bien, Mabdoumbagay, songez en 2004, tu as une délégation qui est venue à 8 membres sortis aux États-Unis. Vini dans l'hôtel Montana, nous discuter, etc. Ils ont offert ça pour nous faire un gouvernement et qui pour rentrer dans la cohabitation. Nous dit pas question, etc. Eh bien, ils sont sortis, ils allaient, et bien, une semaine après,
Aristide était obligé de partir. Voilà, okay. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'il y a des bails que vous avez dit à la présidente, nous ne connaissons pas. Gabriel Zéphir, ils nous sont touchés à Fény, le dernier mot. Bon, moi, quoi que, et nous sommes tous interpellés devant la situation que le pays a traversée là. Nous comptons que nous retrouvons parmi deux grands et observateurs, analystes et acteurs. Et dans ça qui peut-être là, et que voir la population de Mandli, c'est arriver à un dénouement pacifique pour permettre que Timonio continue à l'école, rentrer à l'école et pour permettre que l'activité de la pays reprenne. Et l'interpeller au plus haut niveau le président de la République, encore une fois, on croit que qui retourne à l'évidence qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pour exprimer à mon niveau pays, bah, pays en chance, démissionner, signer une lettre, chita avec les acteurs pour venir la formule de sortie qui a fait sans casse. Et que, et effectivement, pour grandes réformes faites, notamment dossier Petro-Caribé, notamment réforme constitution, pour que nous suspendions jouer à l'autre et à l'hypocrisie avec la diaspora haïtienne, pour que nous suspendions marginaliser eux, pour être capable aujourd'hui à rentrer en Haïti, et étant donné que c'est la banque de ressources humaines la plus importante que Haïti dispose là, pour nous capitaliser sur lui et permettre que nous soyons capables de jouer de droits civils et politiques et en APIA pour aider avec nous toutes qui vont ici traverser pour que nous menions pays à l'autre côté. Premier début. Bon, moi, je suis peut-être optimiste. C'est la nature, moi. Et l'élément d'analyse, fait me croire que nous. Et puis le président dit, nous ne pouvons peut-être pas bien interpréter ça, le dit. Mais de là où elle fait pinois, et je le vois le jour. Alors que mon qui cap comprend bah la naissance par lui moi mais mon président il dit des bagages mais ne coule à l'école c'est une vergita c'est deux et dit là où elle pi fait noir c'est qu'il pi prêt à signer du papier donc il dit le troisième mari il pas accroché à mandat mais à des réformes oui il dit pas accroché à mandat j'ai que je suis pauvre pour tout déjà bon Jean non c'est de gomme j'ai mais dit il l'a donné. Et nous-mêmes, comme moi, je dis, nous pas prêts pour nous sortir, pour nous sortir de la crise, si son gros lobby national a tombé. Même si tu as que tout le monde a tenu compte de l'exaspération de la population qui, je vous dis, a réduit à sa plus simple expression, que le niveau misère pas supportable encore, et la misère est mauvaise conseillère. Le cap, nous avons le droit de déboucher son bagage, que nous ne pouvons pas inimaginable. Nous avons une capacité pour jouer une solution, que le président fasse le premier pas, et puis le monde qui peut venir de lui, a venu de lui, heureusement qu'on est très bien, des autres dirigeants pour barrer la fête là, de façon pour nous aller sur d'autres programmes, d'autres activités, pour nous essayer de remettre le pays à son pied. Bonjour, Padel. Bon, tout d'abord, on m'a dit, dans la situation ni là, m'a pris. Et non émission, m'a déformé, nous plus près que plus loin. Donc, nous plus près que plus loin, nous croyons que nous avons marché vers une solution. Mais nous avons souhaité que c'est pour le tabine la solution. Ça ne me le dit pas. Moi, je dis que Jovenel Moïse, pour moi, c'est du passé. Ce qui est important, je vous dis, c'est comment on va gérer la transition pour poser les bases d'une nouvelle société dans l'intérêt de la majorité de la population. C'est ça lié. Pour nous construire, déconstruire en quelque sorte cette société coloniale qui voilà. Encore vivante jusqu'où n'y a, pour construire une nouvelle société côté intérêt majorité population capable de joindre satisfaction. Et c'est le plus gros défi que. Élite, les élites de ce pays, je vous dis, pas dire seulement politique, non, les élites de ce pays. Donc,